Allô, les cocos, les cocottes. Alors, je me trouve dans le 3052 présentement où on me fait remarquer que c'est pas le seul cas, et c'est pour ça c'est ça le but de la vidéo. On me fait remarquer qu'il y a des liens qui ne mènent nulle part ou d'autres qui ne mènent plus à des vidéos qui avant menaient à des vidéos. J'ai un exemple ici, la médiane, puis là, je ne sais pas si ça menait une vidéo avant, là, peu importe. Quand je clique sur la médiane, ce que ça fait, ça m'amène sur le site d'Alloprof. Alloprof est un bon exemple de site qui a été revampé, très beaucoup amélioré, mais les vidéos aussi ont déménagé pour certains. Alors, vous ne retrouverez peut-être plus le contenu exact que vous souhaitiez avoir. Maintenant, ça n'empêche pas que le lien présentement parle vraiment de la médiane. Il y a du bon contenu pertinent. Donc, je peux vouloir laisser le lien directement où est-ce qu'il est de cette façon-là, mais rien qui m'empêche d'en ajouter un deuxième. Pour en ajouter un deuxième qui mènerait par exemple à une vidéo, parce que je prétends que l'élève peut vouloir visionner une vidéo. Alors, je me mets en mode édition. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le crayon qui est devenu rouge. En étant dans le mode édition, je m'assure, colonne de gauche, que je suis dans la bonne section. Et je vais utiliser ici le plus en haut de page qui me permet d'ajouter une ressource ou encore une activité. On cherche un lien URL, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est dans les ressources ou dans tout, là. Si vous allez au bout, vous allez voir URL. Mais précisément, c'est une ressource qu'on appelle dans Moodle. Donc, quand je clique sur URL, je vais pouvoir lui donner un nom à cette activité-là qu'on va appeler vidéo médiane. Puis là, ben, l'idée ici, c'est de venir coller une adresse URL qui mène à une vidéo portant sur la médiane. Et là, c'est là que ça me permet de vous mentionner que Alloprof, pour revenir à ce sujet, ont une chaîne YouTube qui contient énormément de vidéos et ils ont deux listes de lecture pertinentes. La première, mathématiques, toutes les vidéos. Celle-là contient, vous voyez, là, 208 vidéos sur un paquet de sujets qui vont potentiellement concerner vos cours Moodle. Même chose pour en sciences. Ils ont aussi, ils ont plein d'autres listes de lecture, là, mais je vous mentionne celles qui sont pertinentes pour vous autres. 108 vidéos dans ce cas-ci. Donc, c'est une belle ressource pour aller chercher du contenu pertinent pour vos matières, vos cours Moodle. J'en veux un sur la médiane. Ça peut arriver que ça soit long sur les 208, trouver exactement ce que je veux. Donc, fouiller sur Internet, la recherche Google, Alloprof, vidéo, médiane. Mais tant qu'à être dans la liste de lecture, je vous montre, le CTRL F avec mon clavier me permet de faire une recherche sur la page Internet sur laquelle je me trouve. Et si j'écris le mot médiane, ben là, je vois que j'ai 6 vidéos qui contiennent le mot médiane. Alors, il y en a une de la gang potentiellement ou plusieurs qui vont m'intéresser. C'est en les visionnant que je vais pouvoir voir si ça m'intéresse. Disons que cette vidéo-là m'intéresse. Je vais copier l'adresse URL qui va me rester à aller coller dans ma ressource Moodle. Il y a une dernière chose qui me reste à vous dire, c'est l'apparence. L'apparence est super importante parce que je pense que ce que vous pourriez vouloir, c'est que l'élève ne soit pas parachuté sur une autre fenêtre, un autre onglet. Alors, moi, je vous propose de choisir dans l'apparence, dans une fenêtre surgissante. La fenêtre surgissante, ce qu'elle va faire, c'est une espèce de pop-up qui va apparaître par-dessus la page sur laquelle on se trouve. Puis, ben, on est moins perdu parce qu'on voit encore le fond. Je vous montre. Enregistrer et revenir au cours. Puis là, ben tiens, je vais sortir du mode édition pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc, dans mon chapitre 3, j'ai mon activité qui doit être au bas de la liste. J'aurais pu le déplacer. Hein, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le déplacer jusqu'en haut pour le mettre juste à côté. Si je clique sur vidéo médiane, normalement, voyez-vous, ça allait la fenêtre surgissante. Voilà. Allez, espérons que ça vous aide, gang. Lâchez pas!